Audio Jungle. Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de guêpe vulgaris. Ça change du frelon. Donc je vais vous montrer ça. On va essayer de le repérer. Ouais, je vais tourner la caméra. Donc, je sais pas si vous le voyez, il est juste là. On va se rapprocher. Ça commence à rentrer. Donc je vais m'habiller et ben, je vous montre ça. Allez, à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on y va. On va voir ça. On va se rapprocher au maximum. Voilà. Vous êtes prêts les Dédés? On va essayer de regarder ça un peu plus près. Regardez-moi ça. Allez, on va. On va attendre un peu. Et on va envoyer la poudre de suite. Regardez-moi comment ça sort. Regardez-moi le monde qu'il y a. Voilà, donc ça ressemble à un nid frelon, mais c'est pas un nid frelon. On appelle ça des guêpes vulgaris. Ça peut être aussi des guêpes germaniques, mais je pense plutôt à des guêpes vulgaris. Les guêpes germaniques, ça se met plutôt dans les greniers, dans les trous en fait. Allez. On va remettre une petite dose parce que c'est assez solide comme guêpe. Allez, on va s'écarter parce que sinon ils vont me suivre, c'est un peu comme les frelons. Donc là, il faut laisser agir exactement comme les frelons asiatiques ou les frelons européens. Et dans quelques semaines, si les clients veulent l'enlever, ils enlèvent le nid.
Donc là, il y a eu quand même piqûre. Piqûre sur le propriétaire. Donc ça reste quand même dangereux. Allez, on va enlever la combi. On va essayer de l'enlever en toute sécurité. Regardez s'il n'y a pas une guêpe sur moi. Elle est bien cette tenue, mais elle est plus chiante à enlever avec une main que celle des Dialux. Mais on a moins chaud. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Ça change du frelon asiatique, guêpe vulgaris, voire guêpe germanique, mais j'en suis pas sûr. Voilà, moi je vous dis à très bientôt les bébés. T'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.